First of all, it's close to 1 year after the brilliant victory of François Hollande as the President of France, and there is already quite a substantial change. Back in June 2012, for the first time in many years, the European Council adopted, after an austerity-only policy imposed by the Conservatives, a compact for growth and jobs. And this was the first step of change at the European level of the policies. We discussed very intensively now the draft for the Council conclusions. And I can tell you that in the result of the efforts of the President of France, the Prime Ministers from our family who are growing, and today we welcomed another one, Joseph Muscat, the Prime Minister of Malta, the balance is shifting towards the right direction, because no one rejects the need for a reasonable fiscal policy, which is responsible. But without investment, without growth, without creation of jobs, and without social responsibility, it will simply not happen. It's like driving on a road, and if you are beyond the speed limits, far away, you're driving too fast, earlier or later you will lose control and crash. And when it happens, there are victims. And the victims of the austerity-only policy are the citizens of Europe, who feel the pain, who pay the price. And this is not fair, this is not just. And we are changing this, and we agreed that during the Council, our family will be standing for even clearer wording and commitments for the implementation of the financial transaction tax, for growth commitments, in particular for clear language on the youth guarantee, which is our campaign and which is our achievement, and 6 billion were provided for the next budget. But we want it now, we want it faster, because young people suffer from this crisis. And this is the position of the socialist family. And of course, I would like also to inform you that I think it is very reasonable and very important to have a fiscal consolidation which is timely, which is taking into consideration the realities in the country, and which is giving flexibility to the governments to conduct the right policies. And finally, we shall work hard together as a family to provide our alternative policy for industrial development for Europe, because without this, Europe will not come out from the crisis. And in the end of May, we shall have a special conference on this. President. Mesdames, Messieurs, l'enjeu du Conseil européen qui va s'ouvrir, c'est de rappeler la stratégie de croissance qui doit être celle de l'Europe. Nous avons en effet, comme il a été rappelé, engagé un pacte de croissance au mois de juin dernier. Il se met en œuvre et nous devons faire en sorte qu'il ait le plus d'impact possible en 2013. De la même manière, nous devons engager un programme pour l'emploi des jeunes. Et là encore, nous pouvons, dans ce Conseil européen, non seulement réaffirmer l'objectif, mais mobiliser des moyens. Nous devons parallèlement adapter, autant qu'il sera possible, nos programmes d'ajustement budgétaire nécessaires par rapport à ces objectifs de maintien et de stimulation de l'activité. Et nous devons coordonner nos politiques économiques, faire en sorte qu'il y ait sur la zone euro, ça sera l'objet d'une discussion qui aura lieu ce soir tard, il y ait une vision commune de ce que doivent faire les principaux pays, ceux qui ont des efforts à consolider et d'autres qui, ayant rétabli leurs comptes publics, ayant des excédents de balance commerciale et de balance des paiements, peuvent faire pour stimuler l'activité intérieure et donc européenne. Nous avons besoin aujourd'hui d'une Europe qui réponde à la demande des peuples, qui n'est pas de défaire l'Europe, au contraire, qui est de faire que l'Europe puisse être une source d'espérance, et non pas simplement de contraintes. Les contraintes, elles sont celles des finances publiques, elles doivent être surmontées, mais l'Europe doit être une nouvelle frontière qui permet justement de rassembler nos forces.
Et à cet égard, il y a une discussion qui s'est engagée entre le Parlement européen et le Conseil européen pour le cadre financier des prochaines années. Et la résolution qui a été votée par le Parlement européen est une forme de dialogue. C'est ainsi que je l'interprète pour permettre que ce que j'avais d'ailleurs introduit dans les conclusions de l'accord intervenu au Conseil européen puisse être bien mis en œuvre, c'est-à-dire la flexibilité maximale pour l'utilisation des crédits et un accord de révision qui puisse intervenir au cours de la période afin que nous puissions justement adapter le cadre financier aux exigences de la croissance. Voilà les quelques mots que je voulais prononcer ici, rappelant que le Parti socialiste européen contribue avec des chefs de gouvernement, j'allais dire chaque Conseil européen plus nombreux, à faire en sorte que nous puissions donner cet esprit à l'Europe, parce que nous sommes des partis européens et nous voulons que l'Europe réussisse. Merci. Merci.